Regardez, l'ami Fergnaud a arboré son plus beau sourire aujourd'hui parce qu'on a fait une bonne recette locale. Non, mais moi aussi, j'ai un sourire. Moi aussi, j'ai des origines dans la région. J'ai une arrière-grand-mère qui était de Bonneval-sur-Arc. C'est pas mal, ça. Hein? Bravo. Ah, Bonneval. Que toute ma famille franc-comtoise est venue chercher, est venue marier ici à Bonneval. C'est quand même extraordinaire. Enfin, mon bravo. Grand-père. Bien. On te félicite. Ah, c'est beau, ça. Hein? Oui, Bonneval, on va être cousins bientôt. Ça intéresse personne. Ok. Merci, Laurent. Alors, je suis avec Olivier aujourd'hui qu'on applaudit. Boucher. Les bouchers. Charcutier. Boucher, charcutier et montée de modane à cheval ce matin. Hein? Ouais. C'est un bon gars, ça. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu nous prépares? On va faire un truc, Olivier, quand même. Non, mais. Olivier, hein? Aujourd'hui, nous allons faire un gratin savoyard à la Pancetta et au Beaufort. La pancetta, je rappelle que c'est cette ustensile. Regardez la pancetta comme elle est belle. La pancetta, c'est de la poitrine roulée. On en fait ce qu'on en veut de la poitrine. Lui, il la roule. Lui, il la roule. Et c'est vrai que c'est un vicieux. On en fait ce qu'on veut. Oh le coquin. Alors, oui, regardez comme elle est coupée pas trop fine. Pas trop fine pour mettre dans le gratin. Sinon, ça fond trop dans le gratin. Parce que le reste, c'est comme que la patate et du fromage, quoi. C'est ça. D'accord. Grosso modo. Mais on a la pancetta là. Voilà. Qui vient. On va faire ce plat là. Donc regarde, en 50 minutes, on apprend à faire ce plat. Qu'est-ce qu'on aime ça, Lolo, les patates. Oh là là. Patates avec du lard, quoi. Hein, Olivier, on mange avec ça, nous. Presque, c'est notre truc. Voilà, c'est notre affaire. Les trifes en patois. Les trifes, d'où la tartiflette. Tartiflette, truffade, en fait, truffe, trif. Ça, c'est toujours le même suffixe. Ok, d'accord, merci Vincent. Allez, à tout à l'heure. Allez, la recette, on va la faire. Bon, allez, on va se faire un petit. On se fait un gratin savoyard ce matin, mon Vincent. Il y a tout le gratin. Juste un gratin. Juste un bonheur. Nous, on est content quand on est dans la patate. Et comme on a un boucher charcutier, évidemment, il y a la pancetta en plus de sa pancetta. Je rappelle, pour ceux qui auraient raté le début de l'émission, c'était exceptionnel poitrine roulée, qui est magnifique. Et simplement salée, quoi. Salée au sel sec. Salée au sel sec. Et avec plus aromates, muscade, cannelle, poivre. Génial. Génial. Montre-moi ta mandoline de folie. Parce que, non mais, regarde-moi ça. Dis donc. Vincent. Oui. Regardez ça. Dans l'habitude, la mandoline, c'est une lame droite et, en diagonale. Et là, nous avons une mandoline en pointe. C'est très rare, C'est très, très belle mandoline en pointe. Vas-y. 595 francs. La mandoline en pointe. Passe. La mandoline en pointe. Attends, ça c'est quand on dit. Regardez ça. Alors, rondelles. Non, je rappelle. De saison, une rondelle, je rappelle à Pierre. Pas printemps, voilà. Pierre, ce n'est pas une mandoline simplement en pointe, mais elle a la dent de scie. C'est une mandoline en pointe avec dent de scie. Donc voilà, parce que la dent de scie va choper la patate. Très très beau. Et rendre absolument rien d'ailleurs. Si Vincent parle aussi bien de la mandoline, c'est que juste pendant le sujet juste avant, il s'est quand même coupé la main avec la mandoline. Oui. Donc alors, il y a quelques... merci. Alors je vais vous montrer. En plus du gratin, on va faire du boudin. C'est ça. Absolument horrible. Oui, parce que moi je suis pas habitué à la lame de scie sur la mandoline. D'autant que vous avez le comment ça s'appelle ça? Voilà. Ben alors ça s'appelle précisément en cuisine le machin pour tenir la patate. Voilà. Et ça, c'est très utile. Combien pour le machin, Pierre? 1695 francs, toujours. Voilà. On est resté dans les francs. En fait, j'ai voulu faire le malin et dire à Olivier de faire attention à ses doigts, lui montrer comment on faisait, mais c'est moi qui me suis coupé, du coup. Voilà. Alors, ça, on a les patates comme ça, tu as commencé le montage. Oui. Alors, pas besoin de les mettre en rosace, Non, c'est pas. C'est pas quoi? On reste rustique. En merveilleux. Rustique, voilà. En savoir, reste rustique. En savoir, reste rustique. Alors, on monte les patates et puis on va intervertir. On va. Assaisonner un petit peu. Assaisonner déjà, c'est important. Poivre, sel aussi. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, D'accord, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ah, c'est un moulin à sel, ça. Génial. Et alors, on va donc incorporer. Et ça, c'est muscade. Vincent a une capacité d'émerveillement, moi, qui... entre. C'est ça. Entre la mandoline et le moulin. Un moulin à sel. Non, mais dites donc. T'as raison. Plus c'est trivial, plus c'est un moulin à sel. On appelle ça l'acteur studio. Alors on appelle ça l'acteur studio. Studio, voilà, c'est ça. C'est l'acteur studio. Il ne fait pas penser à Higgins dans Magnum. Oui, ça. La série Magnum. C'est Higgins. C'est Hercule Poirot également dans. En fait, on a greffé la tête d'Higgins sur le corps de Magnum. Voilà. Et ça, c'est un truc, c'est très nouveau. Regardez, la pancette, elle est déjà poivrée, non? Elle est déjà, mais on peut. Non, parce qu'il remettrait bien un coup de moulin. Il remettrait bien un coup de moulin, il adore ça, les moulins. Un petit coup de moulin, vas-y.
Le salaud poivre. Non, mais vous allez voir comme ça. Il va être impressionné là. Oh là là. Entre ici, voilà. Mon moulin. Dingue. Magnifique. Et on remet des patates. On remet des patates. Vas-y, Olivier, ne gêne pas. Vas-y. Mais toujours de façon rustique. Hein. Toujours de façon rustique. Moi, j'aime cette rusticité dans le geste. Hein, on sent la main du gars qui a su rester pas un économe, parce très que proche de la nature. Avec devant un économe, tu dois plus en pouvoir. Toi, allez, oh, un économe. Ah oui, c'est. Je sais même pas comment ça marche, pour te dire. Voilà. Non, économe, hein, il l'est pas. Hein, ça, tu peux y aller. Magnifique. On a fait la moitié de la recette. Là. Allez, au revoir. Ah ouais, allez, bon, voilà. Allez, mais dis donc, on s'est bien servi du moulin, non? Ben, je ne sais plus. Attends, oh, un petit coup de moulin, peut-être. Un petit coup de moulin, allez, sel. Oh là là, c'est pas la même couleur qui sort. Émerveillement. Le gratin savoyard à la pancetta. Laurent, tu as très gavé. Ah bah oui. Et je ne sais pas si vous étiez là au début de l'émission, vous avez peut-être raté le coup de moulin à poivre d'Olivier, qui est désormais célèbre, hein, parce que là, de mandoline. Absolument. Le petit solo de mandoline, parce qu'il est une mandoline absolument extraordinaire, dans laquelle j'ai laissé la moitié de ma main droite. Regardez, là, on est bien déjà. On a c'est les bouts de main, terre de Fergnaud que vous voyez arriver. Voilà, c'est ça. C'est les rondelles de doigts. Alors, donc, on a des pommes de terre qui ont été tranchées. On a la pancetta. On en remet une deuxième couche. On en remet une deuxième couche. Oui. N'oublions pas qu'il est boucher, charcutier, traiteur. Donc, la pomme de terre, d'accord. Mais lui, ce qui intéresse, c'est le cochon, hein, Olivier. Ah, le cochon. Toute la charcuterie. Ah, bah voilà. On fabrique toute notre charcuterie à Modane. C'est ta pancetta, là, qu'on c'est a c'est ma pancetta qu'on a. C'est pas possible. Elle te manque pas trop? Non, ça va. Ah, bon, d'accord. Alors, voilà, la pancetta, c'est de la poitrine roulée. Regardez. On fait une deuxième couche. Et dessus, on va y mettre quoi, donc? On remet quelques pommes de terre. Encore? Mais il y a Eli plein, ton plat. Non, mais on va y arriver. Et après. Bah vas-y, fais-le. On met le Beaufort. Fais-le. Ne te gêne pas pour moi. Et après le Beaufort. Ah oui, parce que des fois que ça manquerait. Bah, mais tu sais que c'est pas assez, hein. Tu sais, ici, la cuisine, on le comprend bien, dans un pays de montagne comme celui-là où il fait froid, c'est généreux, c'est nourrissant, et on a besoin d'avoir des calories. Donc, il ne faut pas s'étonner de trouver des plats généreux. Généreux. Alors, on y remet de la patate. Quand il n'y en a plus, bah, on met le fromage. Ouais. Voilà. Dis-moi, Laurent, tes habitudes alimentaires ici, c'est quoi? Bah, c'est un peu dans ce style-là. Hein. Ouais, d'accord. Ça ne se voit pas du tout. Hein. Un peu roboratif comme il faut, quoi. Oui, oui. Non, des mais fois qu'on est froid. Non, non. Et puis, on a l'occasion d'avoir de bons cuisiniers et, ici. C'est vrai Et d'avoir des plats de qualité. Voilà, mais Laurent, on n'a que des bons cuisiniers qui vont se succéder ici pendant la semaine. Et d'ailleurs, on voit Agnès qui est là. Il y a des gens. C'est une encablure en face de l'espace Laurent Gérard. En face. Et ils sont polonais et ils sont tombés amoureux de cette vallée. Et voilà. Ils sont venus et nous regardent comme moi. Voilà, exactement. Voilà, c'est une belle intégration plus. Hein, et c'est effectivement une des meilleures cuisines de la place. Tu parles d'intégration, intégrons le bouillon. Vas-y. Oui. Ah, vas-y, mets du bouillon. C'est en plus, bouillon, c'est bazar. C'est un bouillon de quoi, dis donc? Un bouillon de bœuf. Un bouillon de bœuf. Et là, l'étonnement de Cernio, ça veut rien. Du bouillon de bœuf. Alors, ça peut être juste du bouillon, mais non, il est de bœuf. Et ça, c'est un bouillon maison? Oui, bouillon maison. Bouillon maison, donc avec aromates, bouillon de garni, etc. C'est ce qui reste du pot-au-feu, en fait. Voilà, un bouillon de pot-au-feu. Un bouillon de pot-au-feu. Et puis, là, tu m'as dit du beurre. Du beurre. Non, c'est toi qui me l'as dit. On met du beurre pour faire dorer. Ah, donc, oui, toi tu fais des copeaux de beurre qui ressemblent quand même à des poutres. Ça fond. Hein? C'est des copeaux. Ouais. Ça fond, certes. Ouais. Mais il faut quand même. Qu'est-ce qu'il y avait, Jean-Seb, là? Je sais pas, il s'est passé un truc entre Nathalie, Jean-Seb et Gérard. Non, expliquez-nous, parce que. Non. Laurent disait que pour faire un bouillon de bœuf, il fallait une grande baignoire. Et toi? Et lui, il plonge. Mais dans forcément, le bouillon. Bravo. Bah ici, c'est directement dans le lac, hein, on l'a vu dans le reportage d'avant. C'est prêt à enfourner? On enfourne. Tu es content? Tu es fier de toi? Ça va. Tu peux. Ça va. Allons-y, on enfourne. Allons-y, hop. Allez les garçons, on va vous retrouver dans un instant. Bah, pour le goûter quand même, quand ça sera cuit. Pour le goûter. Ah bah il y a intérêt qu'on va y goûter. Bah alors, dis donc, qu'est-ce que tu crois qu'on attend? On a con que ça. Il y a un reste de gruyère, enfin de Beaufort. Je vais peut-être. Ouh là là, oui malheureux. Ah, je vais peut-être le manger pendant ce temps-là. Faites tourner le Beaufort. Je rappelle que le mot de gruyère est un générique pour toutes les pâtes cuites. Oui. Hein, donc on dit gruyère pour du Beaufort, pour du Comté. Ce sont les gruyères, mais c'est du Beaufort de Maurienne. Bah, bien sûr. Comment? Et de haute Maurienne en plus. Regardez les Languérins là qui ont envie de goûter le gratin, hein. Mais c'est surtout regardez c'est Lolo Gérard et puis regardez il y a Flambeau derrière la mascotte. Il a faim aussi. C'est bien de on a Strauss-Kahn derrière.
Les frogs, c'est des câlins, on appelle ça des câlins gratuits. T'as des chics qui se baladent avec des pancartes. Free hugs, on peut faire des câlins gratuits. C'est bon pour la santé, bon pour le moral. Tu vas te calmer, Alicia, avec Flambeau, s'il te plaît. Je fais bien Flambeau comme boulot, moi. Rien de Flambeau, il est bien content. Hein. Dans le genre qui fait des câlins, on a Flambi, nous, en France aussi. Hein. Oh. Ça rappelle que tiens, bouquin qui va te sortir au long de désespoir. C'est pas gratuit. De Laurent Gérard, tiens, t'en parlais justement. Voilà, ça, c'est ta nouvelle œuvre. Hein. Voilà. Au passage. C'est très fin. Ouais, bah, ça. C'est tout dans la finesse. Bah, tiens, je comptais sur toi. Lolo, tu vas le goûter, ce gratin, la pancetta. Ah, bah oui. Ça, c'est un truc qu'on aime. Hein. Bah oui. Bah oui. Mais alors, on va peut-être quand même regarder comment c'est qui qu'on l'a fait. Que c'est mais non, on n'a pas trop le temps, mon gars. Ah, dis donc, on a bien vu comment tu as fait. Attends, t'as tout noté déjà. Bah, alors, c'est des patates. Des patates en rondelles, de la pancetta. Et des patates. Du fromage, du c'est beurre bon. Et du bouillon. C'est du bon, bouillon. Lolo. Du bouillon de bœuf. Hein, c'est quand même pas c'est mal. C'est bon, Laurent. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est moelleux. Magnifique. Hein, ça cuit combien de temps, Olivier? Viens donc par devant, parce que là, on ne voit plus. Olivier, combien de temps ça cuit? 45 minutes à 1 heure. Voilà. Un four à 150 degrés. 150 degrés. Allez, goûtez, soyez à goûter, les amis. On a rendez-vous ici. Laurent sera avec nous vendredi matin de 10h50 à 11h45. Laurent Gérard avec nous. Et il refera l'intégralité de l'émission à votre compagnie et avec Gérard Lenormand qui sera là également puisqu'il sera avec le concert la veille. Merci mon Lolo. On est bien chez vous. Vous savez quoi les amis? Il est bientôt midi en France.